Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite du Valaisan 100%. Et oui, enfin, la vidéo, j'ai plutôt recommencé, quoi. Donc, j'ai bien avancé, les chansons préparées. Bon, bah, je peux pas semer parce que je n'ai pas les bonnes températures. J'ai pu reprendre mes véhicules. Ici, bah, j'ai rempli la cuve là-bas, quoi, le silo d'eau avec le Hitrunner, hein. Toujours avec la cuve, avec le Valaisan et le Super 7700 de la série 7700 avec les logos. Et oui, ben grand merci à toi, mon patou, hein, qui m'a remis des logos sur les tracteurs. Regardez ça, la plaque avec le drapeau Valaisan. Il y a même aussi derrière là, hop, allez, je vais monter un peu, hop, hop là, ici. C'est vraiment super, en tout cas grand merci à toi. Et ici j'ai le petit plateau avec aussi le petit masset de 140 aussi avec les logos. J'ai pratiquement tous les logos sur les massets. Alors vous inquiétez pas, on prendra, parce que j'aime bien aussi ce petit Fiat. Et puis autrement, bah on verra, quoi. Bah comme j'ai dit, hein, vu que je peux pas faire grand chose, on va aller tout de suite, on va prendre celui-là. On va aller remplir la petite cuve et puis on va commencer à mettre de l'eau aux pommes. Comme ça, ça me fabriquera des pommes déjà. La série, vous avez pu voir dernier épisode qui vous a fait plaisir. Hein. En tout cas, j'ai eu des super commentaires. Ça m'a vraiment fait un grand plaisir. Et je suis content que ça vous plaît. Et oui, comme il dit l'abonné Matt. J'arrive bientôt 400 abonnés, mais bon, j'ai toujours dit, hein, moi je cherche pas la course au nombre d'abonnés, tant que ça vous fait plaisir, moi je suis content. Allez, on va reculer là, regardez, je vous fais même plaisir, je fais de la vie à l'intérieur, quoi. Hop. On va remplir ça. Alors c'est assez long à mettre en eau au niveau des pommiers, mais ça va bien, comme ça on pourra faire du citre. C'est déjà plein. Allez, ouais, bah, on va commencer par là. Alors, je sais pas si sur la nouvelle map, je vais peut-être en mettre ça. On va reculer vers lui. Comme ça, je vais essayer de vous faire un peu de vue intérieure. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. On va voir. Normalement, j'ai déchargé. Mais il y a toujours ce déchargé, c'est lui. Et il veut pas me décharger, alors donc normalement, ah mais il l'a déjà mis, ah ben c'est rapide, hein. Alors, je vais quand même aller voir, normalement il l'a déjà mis, 100% d'eau, c'est vrai, de toute façon je crois que ça prend pas beaucoup d'eau. On va reculer. Faut vraiment être trop près, plus près. Ah ben c'est bon, voilà. On va aller à l'autre. C'est bon, j'ai compris le système, on est tout près là, on peut enlever ça. Alors oui, comme vous avez pu voir à la fin de la série, du dernier épisode de la série Lever Valaisan, que du reste, je vais recommencer, donc ça prendra un peu du temps pour le prochain épisode, parce que vu que mon ami Patou est en train de me mettre pour le mode snow mask, hein, pour que j'ai des saisons et que j'ai pas de problème avec les bottes de foin, de paille, tout ça dans les bâtiments. Est-ce que je suis toujours bon? Ouais, c'est bon. Allez. Et il est en train de faire ça, en tout cas, c'est un grand merci à toi, parce que déjà, je sais que tu bosses déjà toute la semaine, et puis tu prends encore le temps pour tes amis, certains de la famille des Koenou,
C'est vrai que ça vous manque, hein, la famille des Conneaux, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir. Hein. Ça, on attend que le grand chef rentre de vacances, hein, et puis voir ce qu'il veut faire. Si on fera tourner une série, faut attendre. Oui, bon, faut attendre le grand chef Juju qui m'a chambré avec les Massets. Hein, mais t'as vu, elle te rend bien service, la Massets, pour semer. Et en plus de ça, je t'avais dit hein, de faire attention de ne pas semer trop vite le. Il y a des arbres un peu trop loin, excusez-moi, hop. Voilà. Comme ça. Oui, je disais, je t'avais dit de ne pas semer trop vite le soja si t'as pas la bonne température. Puis comme j'ai vu ta dernière vidéo, il me semble que t'as ressemé, d'accord, mais il me semble que tu n'as pas mis attendu les 10 degrés quoi, du sol. Alors, bonne chance à toi, je pense que, hop, un peu trop loin. Voilà. Après, on remettra du fumier. Bon, peut-être je ferai pas tout parce que ça prend du temps. Voilà. Et oui, des colons, ben ouais, on reviendra. C'est comme je le dis. Il faut attendre le grand chef Manitou, dit Juju, Farming Savoyard. Et puis, c'est lui qui donne des ordres. Hein. Ben, du reste, il nous tape. Hein. Si on fait des conneries, il nous tape. Ça, vous l'avez bien vu. Voilà, il faut que j'aille recharger. Et ça va revenir. Oui, je vous parlais, je vous parle de plusieurs choses à la fois, et puis je m'y perds. Je vous parlais de la nouvelle série, La Ferme Valaisanne. Donc là, il faut que je prépare encore. Je sais pas si. Mais normalement, je veux rien. Je vais peut-être me remettre comme ça. Est-ce que je suis pas assez près? Ah, ben non, je vais se mettre là. Vers la pompe quand même, moi je sais pas comme l'eau arriverait dans le petit réservoir, ma petite remorque là qui est sympa. Voilà. Ouais, donc la série, je vais voir normalement peut-être demain. Il faut que j'avance juste un peu la préparer, la finir de la préparer. Alors on va se faire un petit peu de vue extérieure. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Et il faudra un peu de temps pour la série de l'éleveur valaisan pour que je revienne. Parce que toutes les bottes que vous avez vues dans le dernier épisode, bah, il faudra tout refaire ça. Pour commencer à travailler les champs avec les saisons. Mais c'est super parce que ça va être génial. Donc il voulait une. Est-ce que j'ai tout mis? Est-ce que j'avance, j'avance, je vais vite. C'est bon. Hop. Il faudra que je refasse ça, mais bon, bah, c'est bien. En tout cas, un grand merci à toi, mon patou. Ça va être bien cette série. Il faut que je me réhabitue un peu. Là, j'ai vraiment trouvé deux maps de grande fabrication. Bon, bah, la Berman, hein, la série Valaisanne 100%. Je l'adore aussi. Hein. C'est vraiment une super map ici. Un peu moins de fabrication, mais j'aime bien l'environnement. Je pense qu'on va rester sur ces trois séries à un moment. Il y aura peut-être une série, là j'ai. Mais bon, ça sera peut-être courant dans bien longtemps. Les maps sont prêtes, il faut que je les teste. Il y a vraiment des séries que ça ressemble vraiment à ma région du Valais. Avec des montagnes, des petits champs, on verra tout ça. J'ai plein de projets, mais bon, pour l'instant, il faudrait bien quand même arriver à finir une fois la série là avec la saison pour voir la neige avec vous. Donc, on va se concentrer sur ces trois séries là. La ferme du Valaisan, la Valaisanne, pardon. L'éleveur valaisan et valaisan 100%. J'aurais pas assez, il faudrait que j'aille en rechercher, mais c'est pas grave. Voilà.
Alors, je sais pas, vu que j'avais changé la map ici, je me demande si maintenant ça ira mieux avec le fumier ou il faut se mettre près de l'arbre. Hein. Il y avait toujours eu un souci là, si vous êtes sur le chemin et ça prend pas. J'ai déjà tout prêt, on ira la chercher après, on va juste remplir ça. Voilà. Pratique hein, ces petits cuves là. J'ai été chercher l'eau à la station d'épuration qui est gratuite avec le lisier. Bah, c'est une station d'épuration. Je vais pas vous apprendre comment ça fonctionne une station d'épuration. Je vais faire ça, je vais passer par là, comme ça, on va faire les dernières armes là. Hop. On va aller chercher le fumier. On peut mettre aussi, je crois, du compost ici, je suis pas sûr. Mais... Je suis pas assez prêt. Ah, c'est bon. Donc, sur le chemin, si je me mets là, ça fonctionne pas encore. Donc, ouais. Je vais juste reculer là. Hop, faire celui-là. Ah, j'adore ce petit masset là qui va très bien pour travailler ici. Donc les deux là vont rester ici. Je vais passer près. De toute façon, les derniers. Hop, voilà. Alors, la petite cuve à eau, je vais la ranger pour l'instant. Il y a toujours Alphonse qui est là au bord, il ne travaille pas beaucoup. Je vais aller la mettre ici dedans. Comme ça, elle sera l'abri. Je me réjouis ici de voir s'il y a vraiment la pluie ou la neige qui tombe dans les hangars. Normalement, ils doivent normalement être normal. J'ai déjà le petit plateau là pour les caisses de pommes. Hop, allez, on va prendre le fumier. J'ai pris derrière. J'ai pas besoin d'une grande remorque. Je ferai peut-être un transport ici pour qu'il y en ait de réserve ici, du fumier. De toute façon, c'est pas bien loin si jamais j'ai à en rechercher. Voilà. Allez, on va aller voir ça. On va faire le fumier. On va commencer par le fond, comme on a fait avec l'eau. C'est pas ça, c'est ça. Il faut peut-être ouvrir. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. C'est bon. Faire attention de bien la relever. J'ai fait l'expérience avec l'air quand j'étais sur la lancée. J'avais pas relevé le. Et puis j'étais en train d'épandre le fumier partout. Donc ça c'était un peu chiant quoi. Du tout recommencer. Alors là, vous voyez, on n'a pas le cycle comme l'eau. Il faut s'approcher comme ça. Je sais pas si j'aurai assez de fumier. Voilà, ça c'est bon. Bon, ça ne prend pas des masses. Hop, un petit peu par là, un peu par-ci, par là. Comme ça, on aura des bonnes pommes bio en plus. On va essayer vraiment sur cette map, on a du fumier gratuit encore. On n'a pas testé au niveau du compost qui était là-bas. Si c'est gratuit, il faudrait que je teste. Et puis moi, après, ici, j'ai encore un petit champ à finir de labourer, à préparer. Je pense que ça va pas tarder le deuxième jour, je pense du printemps là, je pourrais semer, j'aurai mes 5 degrés. On verra si les finances, je vais pas faire l'emprunt pour prendre encore un champ pour préparer pour le soja, le tournesol. Bon, ben, finalement, je pense que du fumier, je vais en avoir assez.
Il n'y aura peut-être pas besoin d'en ramener là, de réserve, quoi. Je ramènerai peut-être une remorque, comme ça. On en aura toujours, pas besoin de courir. Voilà. Un petit peu par toi. Un petit peu pour toi. Comme ça, vous n'êtes pas jaloux. C'est bon, lancez. Ah, c'est bien ce que je pensais. Oups, on va faire attention. C'est ce que je vous disais avant, mais il faut bien relever la. Comment on appelle ça? Une plateforme un petit godet derrière, quoi. Je sais pas si vous savez comment vraiment le vrai nom de ce petit godet Godwell là. C'est pratique, hein. Je vais en prendre un pour les boy aller aussi. Ça sera pas mal. Bon, j'ai le Ford Transit, mais on le fera pour le beurre, ça. Quand on aura fait du beurre, mais pour l'instant, j'ai pas les vaches. Parce que il faut que j'aille déjà aussi. Attention de ne pas arracher l'arbre. Ah, on voit que les caisses ont commencé déjà. C'est bon là, hop, encore deux lignées, alors, je pense, ouais. Je sais pas si je devrais aller en rechercher un peu. Mais bon, hop, est-ce qu'il est nerveux ce petit masset? Ça, on finira ça ensemble là. Ouais, il faut que je passe ce que je disais là. Non, ici par chez nous on appelle ça la herse, la cercleuse là, pour les champs d'herbe pour que ça pousse bien. Donc j'ai encore passablement de boulot. Bon, j'ai encore vu, hein, parce que ce matin je regardais un peu les mods qui étaient sortis, et c'est vraiment invraisemblable les mods certains qui sortent, comme les machins militaires. Je vois pas à quoi ça sert ici dans un jeu comme ça de simulation. Les trucs militaires, tout ça, bon, c'est comme les voitures, bus, pompiers, ambulances. Bon, ceux qui font du RP peut-être, mais autrement je vois pas l'intérêt. J'ai vu qu'il y avait sorti une voiture un peu comme Google avec les caméras dessus la tête. Par contre, en parlant de caméra, il y a le petit drone là qui est sympa. Le drone fantôme là. Alors, je l'utiliserai pas pour jouer vraiment la partie, la série, mais à la limite pour faire des intros, c'est pas mal, je trouve. Alors, peut-être que sur la série aussi la ferme valaisanne, je mettrai ce mode, hein, parce que bon, comme toujours, ça sera une série non cheatée et puis plus possible réalisme. J'ai envie de mettre, comme parlait Juju dans sa vidéo, là si j'ai donné le lien du mode. Se mettre ce mode pour faire les jolies lignes, hein, là, pour après fertiliser les champs. Je trouve que c'est sympa. Bon, j'en avais testé un et puis c'était pas des plus terribles. Avec les pneus, même avec les pneus étroits du tracteur, ça faisait vraiment presque la largeur du tracteur pour faire la ligne. Ça faisait pas vraiment les jolies marques comment ça, des roues, quoi. Alors je vais tester celui-là et puis on verra bien comment ça donne. Autrement je ne mettrai pas, tant pis. À moins que vous connaissiez un super mode qui fait ça. Bon, je parle pas du destructeur des cultures, hein. On était sorti au tout début du jeu. Parce que il était vraiment nul. Même il marchait pas, il fonctionnait pas, je crois, même avec les roues étroites. Il fonctionnait qu'avec les pneus normal ou large. Alors c'était un peu débile, je trouve.
Alors, si vous connaissez un autre mode par hasard, celui qui est sur le site officiel, c'est le nom procède, je crois. Sauf là, si je me trompe pas. Je vais peut-être pas en avoir assez du fumier. On ira vite en chercher là-bas. Peut-être, peut-être. Peut-être que j'ai assez. Ça va être la surprise. Ça prend pas beaucoup, hein, comme je l'ai dit. Ouais, bien pratique, hein, c'est pas mieux avec une remorque. Bon, il y a des petites remorques, mais je trouve que cette Godwell là, elle est bien pratique pour faire ça. Allez, il me reste deux. Je vais avoir. Ah, ça, c'est Alphonse qui dit bonjour. Normalement, je vais en avoir assez. Oui, super, ça, je suis content. Donc, un voyage, ça a été suffisant. Bon, j'ai des tas de fumier un peu plus loin là. Voilà, on va la remonter, ça. Oui, ben, je t'ai entendu, Alphonse. Hein. On va pas me dire 40 fois bonjour, quoi. Allez, je vais remettre ça là. Le tracteur, on va le rentrer. Je vais laisser ça là dehors. On va la descendre. Voilà, je vais ranger. Comme ça, il a l'abri. Comme ça, les corbeaux, ils font pas caca dessus. Rester tout propre, voilà. Et je le ferai plus tard. Bah écoutez les amis, je vais vous dire tout de bon comme on dit chez moi, hein. Alors, j'ai juste fait les pommes, on peut aller les voir. Normalement toutes les caisses sont commencées à préparer. J'ai dit, bah ici ça n'a pas commencé, ça va arriver tout soudain. Ici ça a commencé, les bonnes pommes, faire du cidre. Ou des gâteaux, ici ça va venir tout gentiment. Laissez vos commentaires hein, qui me font toujours plaisir. Puis je vous dis à très vite pour la suite des aventures du Valaisan. Hein, comme je dis, il y aura peut-être un épisode de la nouvelle série. Là, je vais voir ça. Vu que je veux pas trop avancer sur l'autre série de l'éleveur valaisan, vu que je vais recommencer la map, donc voilà. Donc il y aura plus des épisodes de la série Valaisan 100% et de la nouvelle série. Allez, je vous dis ciao ciao à tout le monde.